Salut à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne Renard France. Alors aujourd'hui je vais vous faire montrer les nouveaux trophées pour les nouveaux DLC. Généralement ils sont pas très loin des uns des autres. C'est vintage et assez classe, je veux dire. Ici dans les vitres, il y en a un ici. Il est là. Vous avez vu, il reste plus que deux, les amis, on n'est pas très loin. Il semble qu'il y en avait un côté d'un générateur. Faut être deux, il y en a un, faut qu'il reste ici sur la console et faut qu'il y en a un qui se place ici et faut que vous mettez bien comme ça assez loin pour que voilà vous en voyez il est monté et comme il est monté faut que là le go il appuie et ici encore un autre go pour coincer dans le en fait c'est pour fermer le piège. Tu vois, il faut que tu appuies sur ce bouton là. Et en fait, celui qui reste là, qui se met comme ça assez loin pour le faire jumper, tu vois. Celui qui se met là, il appuie sur le bouton pour le faire tuer. Tu vois. Et puis après, t'as l'objectif de tuer un bullfit dans un piège. Donc voilà. Mais ben ouais, le deuxième de l'ours, là, il est par là, au centre. Regarde, je t'ai pas dit qu'il était par là. Et le dernier. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Bien sûr, si vous aimez, mettez des pouces bleus. Ici, c'est pour activer le générateur. Là, il faut activer le générateur. Voilà, on l'a activé. Et si on avait deux, vraiment, il est pas là. Cette zone n'était pas explorée aussi. Ah, il est là-bas, tout au fond, les amis. Et voilà, on les a trouvés. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Renard France. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo qui consistait à trouver les 9 objets pour avoir le trophée dans le nouveau DLC The Summer Sideshow sur Killing the Floor 2 sur PlayStation 4. Merci de m'avoir suivi et puis à très bientôt. Allez, peace.